Salut à tous, c'est Quentin. Alors, vous ne rêvez pas, hein, je vous fais le haul du Black Friday environ un mois après le Black Friday, si c'est pas plus. Quand t'es original, tu t'en fous du temps. Alors nous commençons avec ces deux petits cols roulés que je me suis achetés. J'en ai acheté un gris foncé et un gris clair. Je ne vais pas dire lequel est mon préféré en fait, les deux j'aime beaucoup. C'est des cols roulés que j'ai achetés un peu malgré moi, parce qu'à la base je voulais pas vraiment de cols roulés. Mais je vais vous expliquer. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le Black Friday. J'ai voulu acheter un microphone pour faire des vidéos de meilleure qualité avec un meilleur son. Ça partait d'une bonne intention. Je me disais j'allais être trop content. Vous seriez trop content aussi parce que les vidéos seraient de meilleure qualité. Le microphone a été pourri, j'ai dû le retourner. Sauf que j'ai acheté ce microphone sur Amazon. Sur Amazon, ma carte bancaire n'était pas acceptée. J'ai dû acheter des chèques cadeaux. Ce que je ne savais pas, c'est que quand on est remboursé ce chèque cadeau, il n'y a pas moyen de transférer sur la carte bancaire. Comprendre pour un abruti, hein. J'ai été un abruti, mais moi d'habitude, j'achète pas sur Amazon. Donc j'étais innocent sur le coup. Quand je me suis rendu compte que je pourrais pas acheter autre chose que sur Amazon, avec les 29€ que ce foutu microphone m'a fait dépenser, je me suis dit, bon allez, on va utiliser cet argent pour acheter autre chose. Quoi t'as besoin? Bon, le col roulé, c'est stylé, j'en ai vu 2-3 fois, ça rend vachement bien, tu peux faire pas mal de tenues avec. Donc je me suis dit, je vais acheter des cols roulés. Je suis tombé sur ces deux petits cols roulés qui étaient à 12€, au début j'étais archi sceptique. Je me suis dit, bien si ça me plaît pas, je renvoie tout simplement. Vraiment, dû mettre plus d'argent dans les chèques à deux pour en acheter plus, parce que non seulement c'était à 12€, mais en plus les cols roulés, enfin, je sais pas si vous voyez, mais ils sont vraiment bien, ils sont légers, ils sont doux, j'adore la couleur. C'est un peu moulant par contre, donc je crois que c'est le seul bémol à dénoter, mais sinon ils sont vraiment nickel. Donc je les ai eu pour environ 29€. 29€, 29, 28, les deux ils étaient à 12 et quelques. En comptant la livraison, je devais faire un truc aux alentours de 29€. Donc c'est vraiment un très bon prix pour deux petits cols roulés qui sont vraiment pas mal. Ensuite j'ai acheté ce bomber. Oh, je l'aime trop. Kaki, il est lourd, il est capuche, il a de la fourrure, en fait il a tout ce que j'aime. Sur la vidéo d'une chaîne américaine, d'un mec que, enfin, le mec je l'idolâtre. En fait c'est mon idole, enfin j'adore comment il s'habille, j'adore comment il présente, enfin bref c'est trop mon idole. Teaching Men's Fashion, je trouve que le gars il a trop de flow, enfin. Ouais, enfin c'est vraiment mon idole. J'avais acheté ce bomber. Pour le coup j'ai pas été très original en fait, j'ai acheté exactement le même. Sur lui je trouvais que ça rendait tellement bien que j'étais obligé de l'acheter. Je me suis dit, oh, il est trop beau, Quentin il te le faut. Donc je l'ai acheté et depuis j'ai trop d'idées qui viennent avec. Kaki c'est pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter et c'est bien dommage parce que c'est une couleur que j'adore. Tu peux le porter dans une tenue assez street, dans une tenue un peu plus décontracte. J'aime beaucoup ce bomber, vraiment un gros kiff. Je l'ai acheté sur H&M pour... A la base il était à 70€, je l'ai acheté à 55€ je pense. C'est pas une réduction de ouf, mais bon, moi j'étais content. N'importe quel prix, même s'ils avaient pas fait de réduction, j'aurais acheté. Il est parti archi vite. En fait, j'avais fait le Black Friday chez des potes, on était resté éveillé jusqu'à environ 1h du mat. Donc je l'ai directement acheté, je l'ai acheté en M, et le lendemain, enfin non, je suis con, pas le lendemain, le jour même, je suis revenu sur l'article. Genre, il était parti dans pratiquement toutes les tailles, donc je me suis dit, autant t'as bien fait de l'acheter. Et le dernier article que j'ai acheté, c'est un... En fait, c'est même pas une veste que j'ai acheté pendant le Black Friday chez eux, je mets dans le Black Friday. Parce que j'avais pas trop d'autres endroits où placer. Mais bon, enfin, c'est un caban. Caban que j'ai acheté sur Zalando pour 30€. 30€, j'étais choqué quand j'ai vu le prix. Je me suis dit, c'est une arnaque, je vais encore me faire avoir. Bon, quand j'ai vu le prix de départ, je me suis dit que ça valait peut-être le coup. Il était à 60€ au départ et 30€, donc ça fait une réduction de... si vous avez calculé, ça fait 50% de réduction. Une réduction juste de ouf. Alors que c'était même pas en... le Black Friday, quoi. J'ai foncé dessus, en plus je voulais vraiment un caban bleu marine, pas un noir, parce que le noir, enfin je trouve qu'il y a tout le monde qui a ça. En plus je trouve pas ça forcément beau les cabans noirs. Sauf dans une tenue totale noire, mais sinon j'aime pas trop. J'étais vraiment content de tomber sur cette pièce. C'est la pièce habillée que je voulais depuis pas mal de temps. Moi je suis comme ça, enfin je fais des listes et que ce soit 2 mois, 3 mois après, enfin je reviens toujours dessus. C'est ça que j'aime bien chez moi. Pardon. Donc voilà, c'est une pièce vraiment cool, la matière est simple. J'avais vu que c'était un mélange quand même assez... c'est des matières assez... pas non plus un caban archi cher qui sera dans des matières dites de nobles, genre 100% laine. Ce serait un truc à 300€, je suis étudiant et je peux me convient parfaitement. Donc voilà pour ce petit haul, j'ai acheté que 4 articles, mais bon, moi je trouve que c'est déjà pas mal pour un Black Friday. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. Tchou. Tonight, hey ma, we're gonna be your